Jivachibarleu, Jivachibarleu, nous village. Olé, 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 il y a un leu à Jivachibarleu. Oh. Je gagne un jaco. Après la pluie vient le beau temps. Oui, les beaux jours sont là pour nous. Et avec eux, c'est le bonheur qu'on entend. Venez chanter. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire, non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant. Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes et j'en passe. Écœurant ce mélange, mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais. Bref, je jubile, je kiffe, je mets Bobby. Down. On cherche un nouveau shérif. Mais qui fera l'affaire? Le bon? La pute? Le truand? L'homme de main ou l'autre homme de main? Il y a aussi le barman, le chef indien, le méchant, le mec du Ku Klux Klan, le mexicain et même le croque-mort. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule place. Un western vraiment à l'ouest. Avec des bagarres, des flingues et même de l'amour. Salut la compagnie! Duel à David et Jonathan. Moi, je me verrais bien à ta place, là, installé dans mon canapé, sans avoir peur du lendemain. Mais tu la connais pas, ma vie. Bah, si tu veux, on échange de place. Ah, oh putain! C'est pas possible. Toi aussi, tu vois qui, là? Bah vous? Oui, mais vous, c'est qui? Bah c'est vous. Ça, c'est moi. Bah oui, c'est vous. C'est une catastrophe. Alors, regarde, mais la honte. Mais la honte. Oh, je regarde sur Internet. Ah ouais, tu vas taper quoi? Mon père est dans mon corps. Je suis dans mon fils. Et papa, je te présente... Céline, 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 ta fille aussi. Je te présente ma mère. Ah. Pas devant papa. Oh putain, j'en ai pas vu que là. Tu te souviens, quand il est né, il était moche, mais on n'osait pas se le dire. Ça va être très très compliqué. Alors, de deux choses l'une, ou je suis complètement fou, ou je nage en plein cauchemar. Mais c'est sûr que t'es conseiller bancaire. C'est moi. Ça va, mon cœur? Destin exceptionnel d'une grande athlète. Samia Youssouf Omar avait 22 ans. Qui n'a jamais connu la passion ne pourra comprendre mon histoire. Cours, Samia. Tu es une gazelle. Cours, Samia. Cours. On n'a plus peur de rien quand on a connu la faim et la misère. On n'a plus peur de rien quand on a 17 ans et qu'on représente son pays aux Jeux Olympiques de Pékin. Cours, Samia. Cours, Samia. Cours. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, Monsieur Turing? Je construis une machine. Une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique. Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma.
Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Plonge la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Qu'est-ce qui tourne pas rond là-haut, hein? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Je sais pas. Quelle est la nature de votre relation avec Monsieur Murray? Monsieur Turing, vous venez d'avouer sous serment être coupable d'outrage aux mœurs et d'indécence. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle? Tu es viré! Non, les entrées sont terminées! Non! Échec et mat. Un président de la République se retrouve face à un psy. Et c'est génial parce que c'est une vraie psychanalyse en direct. J'ai pas vraiment le temps de faire une analyse. J'imagine que vous êtes au courant, je viens d'être élu président de la République. Le personnage, il a un petit souci, c'est qu'effectivement, il n'arrive pas à prononcer son discours d'investiture, il le répète, il est pris de démangeaisons terribles. Et non, oui, c'est quand même assez handicapant. C'est pas un tigre, interdit de dire ça fait faire des grimaces terribles, j'ai les larmes aux yeux. Le titre est formidable, par le bout du nez, c'est magnifique, parce que finalement, qui va avoir le pouvoir sur l'autre? C'est vrai que ça demande beaucoup de précision, hein. Ah non! J'ai pas recours! Allez. Résumé, plus de 53 ans de votre vie et de la mienne dans cette boîte qui a changé ma vie et la vôtre, c'est compliqué. Alors j'ai choisi des zooms, des moments importants. Il y a 2 ans, coup de téléphone d'un journaliste qui me dit « Vous êtes un des animateurs emblématiques de l'histoire de la télé avec Zitro, Martin et Guy Lux. Ça vous fait plaisir ?» Ben, je suis surtout le seul vivant. 4h du matin, drin, drin. « C'est Johnny, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je dors. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now ?» Tu sais, le film de Coppola avec Robert Duvall, ils sont à Catélico, ils attaquent le Vietnam. Eh ben, on va attaquer le Stade de France et tu vas me déposer sur la fulle. Bonne nuit. Je pense que ma mère, elle me l'a pas dit, mais elle aurait été heureuse que j'épouse Anne Sinclair. Mais j'ai dit un jour à Anne Sinclair, si tu m'avais épousée, tu aurais eu moins d'emmerdement. Je suis pas en tenue de Louis XVI. Hein. Enfin, si, c'est Louis XVI à la plage. Louis XVI à la plage. Marie-Antoinette, la chef des sans-culottes. Ouais. Et la servante, Charlotte Corday. Et il manque Fred Vasseur, le courtisan. Et il manque le courtisan qui s'appelle Hubert de la Lèche-Cuisseau. Une belle connerie. J'ai toujours considéré que le métier d'avocat était une collaboration à la vérité. Certes, difficile parfois, mais souvent, non coupable. C'est nous qui avons raison. Telle est l'idéologie. N'écoutez pas non plus la rumeur ignoble. N'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires. Car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. On cherche peut-être à éclairer les faits d'une façon différente. Mais on cherche d'abord à s'approcher de la vérité.